Abonnez-vous massivement. Donc, Bafan tout à la dose au mille esprits. Je vous demande de vous abonner massivement. Na chaîne Abissou Yassika, ONG Tosungana, deuxième vitesse. Ya maman Liana, papa Gaston. Donc, bon s'abonner. Ah, bon, vous abonnez bien. Information nyon so, ya bastan na bino bolingaka. Nul par ailleurs. Ah, wande. Bon solo, information que nous retirons vraiment dans la source. C'était bien moi, la dose, mille esprits, votre artiste. Bisous. Initier de telles actions pour mener à bien au fait, la bonne position des pièces. Non, monsieur, si vous voulez avoir avec moi un débat sur le bilan de notre période, mm-hmm. je suis disposé à prendre contact. Mais pourquoi vous n'avez pas fait ça? Parce que moi, je ne suis pas dans la caricature. Mm-hmm. Si ça avait été aussi mauvais que ça, mm-hmm. on n'en serait pas là où nous sommes aujourd'hui. Il mm-hmm. ne faut pas oublier que ce pays vient de très loin. Mm-hmm. Il a fallu le pacifier, le réunifier, il a fallu introduire la démocratie, il a fallu permettre qu'il y ait une alternance démocratique et le chef de l'État, lui-même, quand il est arrivé, il a dit que ce qu'il découvrait en arrivant était à l'opposé de ce qu'il croyait quand il était dans l'opposition. Si on a pu lancer les programmes de 100 jours dans ce pays, c'est avec les fonds qu'on a trouvés dans la caisse de l'État. Il n'y a pas eu un dollar qui soit venu de l'extérieur, monsieur. Alors vous ne pouvez pas caricaturer les choses et donner l'impression que rien n'avait été fait avant. Nous n'avons jamais dit que tous les problèmes du Congo avaient été résolus. Soyons honnêtes, reconnaissons ce qui avait été accompli. Donc vous soutenez l'institution présidente de la République? Nous soutenons les institutions. Nous sommes des républicains. Nous soutenons les institutions. Mais les institutions se soutiennent dans le cadre du respect de la Constitution et de la République. Une dernière question. Quel est votre avis par rapport à la position du Premier ministre qui s'érige en disant contre les ordonnances du chef de l'État? Mais le Premier ministre, il est quand même le chef de la majorité parlementaire. C'est notre Premier ministre. Nous sommes derrière le Premier ministre. J'ai dit que nous sommes des républicains, nous sommes des démocrates. Nous tenons à ce que la Constitution de la République soit respectée du premier article au dernier. Merci beaucoup. Je vous en prie. Je suis un peu plus.
aussi présent n'a pas saccagé les sièges des partis politiques. Vous voyez, nous sommes sur Triomphal, vous avez le MLC, vous avez certains sièges des partis politiques de l'opposition. Nous n'avons pas cassé, nous n'avons pas envoyé des femmes pour pisser sur des effigies, des personnalités. Le FCC est une plateforme bien civilisée et donc nous nous réjouissons de cette marche. Nous voulons assez que notre objectif aujourd'hui, que ceux-là, les décideurs, puissent écouter notre cri d'alarme ce matin, le soutien total à nos institutions. C'est mon pour dire que le FCC n'est pas une majorité théorique, c'est une majorité parlementaire réelle. Et vous allez voir que ce que nous avons organisé ici à Kinshasa va s'organiser dans toutes les provinces de la République et nous serons toujours majoritaires. Nous sommes une majorité parlementaire et nous sommes une majorité populaire. Alors pourquoi attendre seulement lorsque vous n'êtes plus au pouvoir? Parce que quand vous êtes pendant votre règne de 18 ans, il n'y a eu pas de marche de votre part. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui vous a motivé à organiser de marches pacifiques? Nous avons organisé cette marche parce que les 18 ans dont vous parlez, on était en train d'asseoir la démocratie. On était en train d'asseoir la démocratie. Ce pays vient d'une dictature que Laurent Désiré Kabila est venu casser. Après 3 ans, on l'a tué. Joseph Kabila a hérité du pouvoir qu'il a hérité. On a mis en place toutes les structures démocratiques du pays. On a organisé 3 élections en 2006, en 2011 et en 2018. Mais les pays tels qu'ils marchent aujourd'hui, nous avons peur d'aller vers une autre dictature, celle que nous avions combattue avec les maréchals Mobutu. Et raison pour laquelle le pays, nous avons tendance d'aller vers une dérive dictatoriale. Et cette dérive dictatoriale est intolérable dans ce pays qui a souffert de la dictature et qui a besoin d'améliorer cette démocratie que nous avons mise en place. Nous sommes en train d'accompagner une population qui a initié la marche, une population qui en a marre des abus, une population qui en a marre de la mégestion, une population qui en a marre de la mauvaise foi des politiques. Vous savez que nous sommes le FCC, et le FCC signifie beaucoup d'expérience de gestion, le FCC signifie l'humilité. Nous avions accepté en son temps d'aller en coalition parce que nous pensions qu'il était impérieux d'associer nos amis qui n'avaient pas la majorité au Parlement, mais
qui ont quand même gagné la présidence. Et nous pensions que c'était la bonne foi, la bonne méthode, la bonne voie, pour ne pas dire la bonne option de gérer ce pays. Mais hélas, vous vivez ce que nous connaissons tous, vous vivez ce que nous appelons la crise, mais une crise à dessein. Il est vrai qu'en tant que législateur d'abord, je n'ai jamais été d'accord que la rue puisse gérer la chose publique. Ça n'a jamais été une de mes propositions politiques. Mais hélas, quand la gauche ouvre la boîte à Pandore, qu'est-ce qu'on fait? On doit répliquer. Comme le disait le candidat malheureux, Excellence Chadari, coup sur coup. Ce n'est pas la bonne voie, même si c'est vrai qu'aujourd'hui la population vient de prouver encore une fois que nous avons un pouvoir légitime. La population vient de prouver que le FCC peut marcher sur tout et sur du n'importe quoi. Mais je pense que nous sommes déjà majoritaires dans les institutions et nous continuerons à marcher dans les institutions. C'est ce qui est important. C'est dit non à toute forme de division, à toute forme de tribalisme, de régionalisme, de clanisme. L'unité nationale telle qu'elle est prônée par l'autorité morale du FCC, j'ai cité Joseph Kabila Kabangé, nous voulons que nous soyons tous unis, parce que unis, nous pouvons développer notre pays, unis, nous pouvons affronter tous les défis, principalement aujourd'hui le défi socio-économique. Notre peuple souffre et la misère s'empire de jour à jour. Nous ne pouvons pas continuer avec des querelles politiciennes. Nous demandons à ce que les institutions soient respectées, soient protégées et que la Constitution soit respectée. Voilà le sens de notre marche d'aujourd'hui. La Constitution est-elle en danger, comme dites que vous la défendez par la marche d'aujourd'hui? Elle est en danger? Je pense que vous avez suivi les questions de l'heure. Les questions de l'heure montrent que notre Constitution est en danger et nous tenons à ce qu'elle soit respectée. Parce que un état de droit commence par le respect de la loi fondamentale. Le président de la République l'a violé. Je ne veux pas faire de commentaires ici, mais ce que nous demandons, c'est que la Constitution, qu'elle soit respectée. Et je pense que j'ai été clair en ce que je dis, que la Constitution doit être respectée. Et nous sommes aujourd'hui au niveau du gouvernement, au niveau des autres institutions, et nous disons, nous respectons toutes les institutions et nous devons respecter aussi bien que nous respectons l'institution présidence de la République, l'institution gouvernement, l'institution parlement, c'est-à-dire Assemblée nationale et Sénat, et les institutions provinciales. Nous devons les respecter, elles doivent toutes fonctionner dans le respect de la Constitution. Merci. Tel est le message important du FCC. Honorable, somme, c'est-à-dire que le FCC ne donne presque rien du tout. Contrairement aux autres marches où nous avons vu des images circuler, où l'argent a circulé. Nous avons dit, on nous dit que nous sommes une majorité numérique au Parlement. 300 personnes et nous ne sommes pas dans la rue. Nous avons toujours dit que le fait que nous ne sommes pas dans la rue, ce n'est pas parce que le FCC n'a pas des gens dans la rue, mais parce que nous respectons les valeurs républicaines et nous pensons et nous sommes conscients que le pouvoir s'exerce dans les institutions et non dans la rue. Aujourd'hui, nous avons invité nos membres,
sans argent à pouvoir descendre dans la rue pour manifester que nous existons, mais également soutenir les institutions républicaines et pouvoir demander à ce que la Constitution soit respectée et que l'unité nationale soit garantie. Donc il n'y a pas à dire qu'on a donné de l'argent, ils sont là, ils n'ont pas reçu de l'argent, ils ont été mobilisés volontairement parce que nous le faisons. Chaque fois que nous le dirons, le peuple nous suivra. Merci. État d'urgence ici est ici, président Lobagé. Merci. Un exemple, c'est la paix, c'est le soutien à l'unité nationale, c'est le soutien aux institutions de la République. Et pour cela, il ne fallait pas casser, il ne fallait tabasser personne. Nous sommes très heureux, nous sommes derrière le raïs Joseph Kabila Kabange. Je vous remercie. Merci pour vous avoir voté Bissot. Il y a un moment où il y a un parce que Tozali est co-gestionnaire, il y a une institution en Boka. Tozali peut pas soutenir. Il y a un biso qui est agressé dans la guerre. Il y a un pays qui est agressé. 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 Il y a un pays qui est peuple. Dollars et zéro matézo qui ne s'y liboso, souci à population, tozo et bayangote, tozo monaga intérêt na biso pour na pouvoir. Biso FCC, tozo batou ya kimia, to tambolina la police azaline de konabiso, bazali batou na biso, bazali ko protéger biso, to ibi eloka moutoute, to bouke eloka moutoute, to panzi eloka moutoute, to ibi eloka moutoute, bomoni, to telemia wana triomphal, baibisi biso to souko awa, parce que to yiko franchir bayer na bangote, to komana robo a parler du peuple. Yangwana to pesi la police nationale congolaise. Merci Mingi. Tosuki awa tokiai na biso na pembeni to pesa message asuka na militant na biso bazonga na ndako ezali exemple à suivre. Joseph Kabila azalaki toujours ko respecter ba institution ya mboka tina suka Kabila respectaki ezala model pona ba oyo bazali ko finga Kabila Kabila leloyo makambe komi ndenga mususu to pesi bino leçon oyo lelo bomoni mobilisation lelo ze échantillon soki bolingi boko mona nyoso na balabala. Merci mingi. Déception est de voir que les denrées alimentaires sont à la hausse. Le taux aujourd'hui est jusqu'à 2020. Nous marchons puisque nous remarquons que ceux qui sont au sommet de l'État ne font pas respecter la loi. Les partis politiques qui sont considérés comme partis politiques présidentiels ne font pas respecter les lois. Nous, FCC, dans les stricts respects de loi, nous marchons pour démontrer que non seulement nous avons une majorité populaire, mais aussi au Parlement. Et nous marchons aujourd'hui dans les stricts respects des lois. Nous avons attendu que l'état d'urgence puisse être levé, pour pouvoir marcher. Et aujourd'hui, nous demandons à ceux qui sont au sommet de l'État de pouvoir faire en sorte de respecter l'idéal. L'idéal, c'est la nation. L'idéal, c'est le fait de répondre aux problèmes qui sont dans nos quartiers. Le pain aujourd'hui est à 300 francs. La quantité de pain est devenue minime. Nous demandons à ce que le pain revienne à 100 francs. Nous n'avons pas vécu cela au cours des mandats précédents de Kabila. 18 ans durant, le taux n'avait jamais atteint 2020. Aujourd'hui, je pleure avec mes frères derrière pour que ceux qui sont au sommet de l'État puissent mettre au rabais ce taux et que cette inflation du taux puisse se régulariser. Nous marchons comme vous le voyez, nous avons une démarche noble. Nous ne vandalisons pas les biens d'autrui, nous ne jetons pas des pierres, mais nous sommes dans la rue pour demander à ceux qui sont au sommet de l'État. Zona, 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 zona
José. Comme on vient de le démontrer, ce qui fait la force du crocodile, c'est l'eau. On vient de voir que le FCC est un crocodile dans l'eau. Nous avons marché pour exprimer notre solidarité avec le peuple qui souffre, il y a la pandémie, il y a autre facteur de déstabilisation. Nous avons voulu également soutenir la Constitution et les institutions. Et enfin, nous avons marché pour la paix. Sans la paix, il ne peut pas y avoir de développement. Et sans la paix, nous allons retomber dans la crise. Et vous savez qu'à cause de la crise, nous avons connu une grande période de déstabilisation et on n'a pas pu organiser les élections. Grâce au concours de tous, nous avons réussi ces élections qui ont engendré l'ordre politique qui est en vigueur aujourd'hui. C'est un bijou qu'il faut préserver. Voilà pourquoi je viens de dire que c'est une marche pour soutenir la Constitution et les institutions de la République. Et donc, le FCC vient de faire la démonstration que c'est une force républicaine. On s'est battu pour la démocratie et il faut que cette démocratie puisse fonctionner harmonieusement. La marche a été vraiment déroulée dans la norme. Donc, PPRD, FCC, ça marche encore. Donc, on a évité l'image. On a perçu la régie. À partir du palais du peuple, le commerce, les soldats sont barrés. Donc, il n'y a pas de passage. Place est sous qui. Donc, les premiers à qui peuvent la population est bimine FCC va marcher sans problème. Tout le monde va marcher, il y a IDPS et marché, comme le parti politique soutenu. La Mouka va marcher, mais la marche d'aujourd'hui et l'exhibition qui est non. Pour que ça marche, il ne suffit pas qu'on bouge, il ne suffit pas qu'on salabou. On a vu les Congolais, Babi Minenzela, Basali Makambu, et c'est là qui va ça. Ici, maintenant, tout ça, la barrière, Soda, Tandami. Donc, il n'y a plus de passage pour les quartiers. Donc, on ne peut pas aussi le brutaliser, gaz et bêtité, l'eau, remorque et bêtité. Donc, merci vraiment, Batignonso, Balanda, qui vraiment, il mange haut, tout là, qui s'ibino, pour dire que non, ce qu'il faut, ça, la marche, et c'est un raté, poutou, et c'est un raté, non. Voilà maintenant l'exemple, FCC, c'est l'exemple à suivre, surtout la méthode à bouer, pour permettre à ce que tous moi bien. Je dis encore merci à maman Liliane Ball et papa Gaston Bassengana. C'est moi bien votre serviteur Diamond, mon vieux Ortega Koubiena derrière la caméra. Nous continuons et nous nous battons pour cette chaîne ONG Tosunga des invités. On se revoit à la prochaine. Bye. Abonnez-vous massivement. Donc, Bafan tout à la dose au mille esprits. Je vous demande de vous abonner massivement. Na chaîne Abissou Yassika, ONG Tosungana, deuxième vitesse. Ya maman Liliana, papa Gaston. Donc, vous abonnez. Ah, bon, vous abonnez, y'a bien. Information nyon so, y'a bastar na bino bolingaka. Nulle part ailleurs. Ah, wande. Bon solo, information que nous retirons vraiment dans la source. C'était bien moi, la dose, mille esprits, votre artiste. Bisous.